Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous toujours sur les pièges tactiques. Ici, une partie de Heret contre Pac-Man, qui s'est jouée au championnat de Tchécoslovaquie de 1957. Et ici, les Noirs ont joué dame H6 échec. Un très bon coup. Après fou D2, fou G5. Les Blancs ont alors remarqué la menace. Cavalier E7, échec. Cavalier suivi de cavalier prend C8 et de dame prend G4. Mais meilleur aurait été fou prend G5, dame prend G5, échec, et roi B1 tout simplement. Et donc ils se sont fait avoir, on va voir pourquoi. Roi H8, cavalier prend C8, tour D8, un très bon coup. Alors ici maintenant, si dame prend G4, fou prend D2, échec, roi B1 et tour A prend C8. Avec des pions en surnombre. Donc revenons à la position. On va remettre tout ça. Donc, dame H6, échec, fou D2, fou G5, cavalier E7, roi H8, cavalier prend C8, tour D8. Donc là, ils se sont rendus compte que ce plan initial ne marchait pas. Donc, ils ont joué fou D3. Alors, fou prend... ils ont joué fou D3 pour bloquer la tour. Alors, fou prend D2. Tour prend D2. Et maintenant, cavalier F6. Et on voit maintenant que les blancs sont tombés dans un piège. Maintenant, cavalier E7 échoue sur cavalier prend E4. Dame E1. Dame prend D2. Échec, bien entendu. Dame prend D2. Cavalier prend D2. Roi prend D2. Et E4, le fou étant cloué. Avec alors gain de la qualité. Donc, revenons à notre position. Donc après, dame H6, fou D2, fou G5, cavalier E7, roi H8, cavalier prend C8, tour D8, fou D3, fou prend D2, tour prend D2, cavalier F6. Donc là, les blancs ont compris le piège dans lequel ils étaient tombés. Donc ils ont joué tour D1, tour prend C8. H4, notons maintenant que sur dame prend E5, alors cavalier G4. Dame G3, cavalier E3, tour E1, cavalier C4, et ce sont les noirs qui gagnent.
comme tous les personnes, on va plus facile. Donc après, dame H6, fou D2. Fou G5, cavalier E7, roi H8, cavalier prend C8, tour D8, fou D3, fou prend D2, tour prend D2, cavalier F6, tour D1, tour prend C8. Et de même sur toujours, il y a appuyé aussi, dame prend E5, cavalier G4, et sur dame A5, alors cavalier F2, etc. Donc, à nouveau, les noirs, les blancs sont condamnés, puisque il y a toujours l'attaque sur le roi noir. Hein. Non. Donc dans la partie, ils ont joué H4. Alors cavalier D7, B4, cavalier F8, roi B2. Dame B6, C3, A5, dame prend E5, A prend B4, C4 et cavalier E6. Et là, les noirs gagnèrent très rapidement. Voilà, et prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.